Quelqu'un fait déjà Brazzaville-Paris, aujourd'hui c'est Brazzaville-Dubaï, demain ça va être Brazzaville-Cotonou, ça existe déjà. Après demain, Brazzaville-Guangzhou, on espère qu'on va en arriver. Okay. Dubaï c'est un pays commerçant, j'apprécie la vie, la construction, l'environnement, c'est vraiment agréable à vivre. Je me suis dit pourquoi ne pas aller entre copines, histoire un peu de passer des bons moments ensemble. C'était d'abord ça et à moins de coûts, parce qu'il y avait la pandémie. On va observer d'abord les tendances. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de très bien marcher. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va sur le reste de l'Afrique centrale et d'autres destinations sur l'Afrique de l'Ouest. Ça va ouvrir au fur et à mesure pendant l'année. Avec le Congo, c'est notre pays, nous sommes fiers bien sûr, mais on souhaite vraiment que ça puisse continuer comme ça. C'est vrai.